Et yo les gens, on se retrouve pour une nouvelle série sur le mercato de football. En ce moment, vous serez informés de tous les transferts sur le monde footballistique. Donc j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker déjà et voilà. Donc premièrement, nous allons parler des transferts qui sont officiels. Alors premièrement, Peter Cech, ancien gardien de Chelsea, qui a décidé de partir vers Arsenal qui fait pousser Ospina vers la sortie. Van Persie, ancien joueur de Manchester United, aurait trouvé un accord avec Fenerbahçe et dès l'année prochaine sera sous les couleurs bleues et jaunes des Turcs. Mais ce n'est pas le seul qui va en Turquie, vu que Podolski aurait signé lui aussi à Galatasaray, autre club turc. Qui est un club rival de Fenerbahçe. Du côté de l'Italie, Kondogbia s'est engagé pardon, avec l'Inter de Milan qui fut acheté par les Chinois. Ce jeune Français, ancien joueur de Monaco, n'a pas peur de l'étranger et souhaite s'adapter le plus rapidement. Idrissa Gueye, ancien Lillois, serait engagé pour 4 ans à Aston Villa en Angleterre pour une somme de 10 millions d'euros. Kevin Trapp s'engage avec le PSG en tant que gardien, ce qui pousserait Sirigu vers la sortie à lui aussi. Le montant du transfert s'élève à 9 millions d'euros. Et enfin, le FC Barcelone aurait recruté Arda Turan, ancien joueur de l'Atlético Madrid, ce qui probablement aura une concurrence en attaque entre Neymar, Suarez, Messi et Arda Turan. Voilà. Et passons maintenant aux rumeurs de ce mercato. Alors, le PSG aurait proposé une somme de 9 millions d'euros pour le Marocain Hicham Mastour, un jeune joueur de l'AC Milan. Arsenal aurait proposé 60 millions pour Higuain, mais Naples ne souhaite pas le laisser partir pour cette somme, alors il demande 97 millions, ce qui est vraiment énorme. Benzema se rapproche de plus en plus vers Arsenal. Il a eu Arsène Wenger au téléphone récemment. Manchester United aurait proposé 82 millions d'euros pour Müller, qui joue toujours pour l'instant au Bayern Munich. Manchester City devrait obtenir l'accord de Liverpool pour Sterling la semaine prochaine. Et en parlant de Liverpool est prêt à mettre 30 millions pour Alexandre Lacazette, ce qui est vraiment énorme pour lui. Manchester United a fait une offre de 138 millions pour Gareth Bale. Le Real Madrid a immédiatement refusé l'offre. Franchement, ça se voit que le Real Madrid veut le garder. Et Casillas aurait reçu une offre du Porto et serait proche de l'accepter. Voilà, c'est tout pour cette première série, premier épisode. Donc j'espère que ça vous plaira, ces épisodes. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager cette vidéo et liker. Ça fait vraiment plaisir. Merci à tous et on se dit à la prochaine épisode. Tchuss les gens!